Il est venu de Lille. Et il se retourne. Eh oui, il voit que c'est lui. C'est Aymeric Lomprey. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. J'ai rien entendu. Oui. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit que j'allais partir hiberner. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me réveille parce que je dois faire pipi. Je ne sais pas comment ils font les ours pour gérer ça. En plus, va demander à un ours ce genre de truc un peu perso. Excusez-moi, monsieur l'ours. Comment vous retenez de faire pipi pendant 5 mois? Après, l'ours, il va dire... C'est hyper perso. Après, t'as intérêt à courir bien vite. Hein. Pas mal le début de la chronique. Alors, du coup, j'ai trouvé une solution pour qu'on arrête de m'emmerder avec le Covid. Je vais partir dans un pays où il n'y a pas de Covid. La Micronésie. Voilà, zéro cas en Micronésie. Alors, il y a aussi la Corée du Nord. Mais là-bas, ils ont un régime. En plus, moi, je peux pas, le riz, ça me constipe. En plus, et voilà, pour des raisons de climat, je préfère la Micronésie. Voilà, parce que c'est moite et humide. Et moi, j'adore tout ce qui est moite et humide. Vous l'avez ou pas? Là, je parlais des vagins. Parce que là, il y en a qui ne comprennent pas, ils pensent que moite et humide, ça peut être un yaourt. Et en fait, non, je voulais dire des vagins. Voilà. En plus, la Micronésie, c'est marrant parce que ça fait micro-nazi. Et c'est rigolo d'imaginer un régime nazi, mais en tout petit. Tu sais, avec des tout petits drapeaux. Mein Kampf, il fait 2 pages. Hitler, il est tout minuscule. Il a une voix aiguë. Je vais attaquer la Pologne. Je vais attaquer la Pologne. Avec tout son état-major derrière. Il est dingo. Il est dingo. Petit, mais costaud. Hitler, il a pas une moustache. Il a un petit poil ici, comme ça, qui coupe avec des grands ciseaux. Après, les Américains, ils vont débarquer. Ils vont dire, bah, où qui sont les nazis? Et Charles de Gaulle, il va dire, bah, regardez, ils s'inter, il y en a plein. Et Eisenhower, il va faire clac avec sa Santiago. Et après, il va dire, bah alors Charles, is not the small best who going to eat the gross. Il y a toujours un petit mou dans une chronique. Bon, bah voilà. Bon, j'ai regardé, en Micronésie, il fait beau, on a besoin de rien. Donc moi, je vais vous léguer mes objets. Voilà. Alors déjà, tous mes bibelots et mes napperons, c'est pour Charline. Oh. Voilà, comme ça, tu pourras compléter ta collection de vieilles. ma trottinette électrique. Guigui, elle est pour toi, ma trottinette électrique. Yes. Voilà, comme ça, tu pourras faire des micro-trottoirs en trottinette. Ça fera des micro-trottoirs trottinette. Et le jingle, ça sera les micro-trottoirs trottinette. On a envie, ça s'arrête. En ce qui concerne mon spectacle, je le donne à Gad Elmaleh. De toute façon, ça se trouve, il le joue déjà. Mon passeport, c'est pour Vizorek. Voilà, comme ça, il va devenir français. Et du coup, il sera plus intelligent que Charline, parce que Charline va rester belge. Et comme ça, Vizo, il va prendre les rênes de l'émission et finir les invités littéraires. Yeah. À chaque fois, je me fais chier pendant l'émission, tu sais, je suis là, j'aurais dû rester chez Hanouna. Et là-bas, c'était moi l'intellectuel, hein. J'étais le premier à finir la bio de Pierre Ménès. Bon, en même temps, ça se lit vite parce que les pages, elles sont collées entre elles à cause du ketchup. Alors, donc, mon patrimoine, qu'est-ce qui me reste? Mon appareil à raclette, c'est ce que j'ai de plus précieux. Le Raclette Evolution 2000, la triple résistante en fonte. Il fait tout, raclette, reblochonnade, fromage de chèvrade, camemberrade, et bien entendu, la cascade, que du fromage de casque. La fin de la chronique est moins bien, je vous l'accorde. Bah, je voulais l'emmener avec moi en Micronésie, mais ça passe pas en soute, parce que c'est considéré comme une arme de catégorie 3. Alors, je vais le léguer à quelqu'un qui saura l'apprécier. Voilà, à un pro de la cuisine, Maury. Merci. Non, est-ce que tu peux la filer à Philippe Elchebel, s'il te plaît? Merci. Allez, ciao tout le monde. Moi, je file au soleil. Je vais pas chercher mon chèque à la compta pour le reverser à la Fondation Abbé Pierre. Bah, je sais que c'est que 10 balles, mais si je peux aider les SDF, et je vais quand même pas refiler ça aux Ouïghours. Hein. La semaine dernière, j'ai déjà mis un carré bleu sur Insta, je peux pas faire plus. Merci de m'avoir écouté. Merci, Aymeric Lomprey. Ah, de rien. Et emmenez-moi avec vous. Ouais, je vais ken. J'aurais jamais dû le relancer. Merci, Aymeric Lomprey.